Depuis l'arrivée de la gamme Titan de Cygenia sur le marché français, Faille Industries diffuse un équipement d'assistance au ferrage Fairway. Fairway est composé d'un logiciel permettant la gestion du poste de ferrage dans un atelier de menuiserie PVC, alu ou bois. Ce logiciel, développé par notre partenaire InterHM, permet d'apporter immédiatement à l'opérateur les informations nécessaires au montage du ferrage sur l'ouvrant. Il affiche la nomenclature des articles à poser sur les cadres, avec le dessin à l'échelle et pilote une butée numérique pour couper les crémones. Les opérateurs non formés au poste peuvent être opérationnels très rapidement sans faire d'erreur et avec une bonne productivité dès le début. L'opérateur scanne le code-barre de l'ouvrant affairé. S'affiche alors sur l'écran une représentation de l'ouvrant avec le détail des pièces. Le nombre de pièces à poser est indiqué en haut de l'écran, dans ce cas, il y a 7 pièces à poser. Le numéro en rouge permet à l'opérateur de connaître le nombre de pièces déjà posées. La pièce en surbrillance correspond à celle à poser. Chaque pièce est généralement représentée à l'écran proportionnellement à la dimension du châssis avec la référence du fabricant ou du fournisseur et le numéro de casier dans lequel elle est stockée. À droite de l'écran, les informations sur le cadre et sur l'article à poser sont détaillées. En dessous du casier, un bouton « Valider » est représenté. Celui-ci permet de passer à l'étape suivante quand l'article a été posé. Une fois la validation effectuée, la pièce suivante est affichée. Il est possible d'ajouter une assistance laser. Ainsi, le casier dans lequel se trouve la pièce à poser est pointé par le laser et facilite encore un peu plus le travail de l'opérateur. Lorsqu'une pièce nécessite une coupe, la cote à couper est indiquée en millimètres en rouge sur le schéma. Dans cette étape, c'est le compas qui est surligné et la coupe indiquée est 136. Un bouton « Recoupe » apparaît alors à droite de l'écran dans le détail de l'article. Quand on appuie sur ce bouton « Recoupe », la butée reliée à l'outil de coupe se positionne à 136 mm de la matrice de coupe. Il n'y a plus qu'à prendre la pièce dans le casier indiqué à l'écran, l'insérer dans l'outil de coupe, extrémité de la pièce en butée, et la coupe peut être faite. Ainsi, la pièce coupée à dimension s'intègre parfaitement dans le cadre. Fort de notre expérience et de notre collaboration décennale avec notre partenaire InterHM, nous vous accompagnons dans vos projets afin de trouver avec vous les meilleures solutions en termes d'optimisation d'ateliers, en particulier sur la partie ferrage.